Alors, il y en a des belles? Oh ouais, bien sûr. Il y a des monstres. Hein. Oh. Ouais. Moi j'adore, il y a tout plein de chevaux. Donc c'est vous l'équipage? Ouais, enfin, responsable de cette caravane. Elle est belle. Regarde là ce que t'as. La deux chevaux léguettes, il me faut des belles photos là. La deux chevaux léguettes. Voilà, donc les premiers à partir, c'est la caravane des deux chevaux avec la léguette mobile en tête. Mais où est monsieur Trevor Leggett? Ah ouais, où est Trevor Leggett pour le départ du rallye historique? Bon, on va chercher Trevor, hein, je sais pas où il est avec ses copains et plein de voitures. Voilà, toutes les voitures qui vont partir tout à l'heure pour ces rallyes historiques et qui vont faire le tour de la Charente sont maintenant sur le parking, au point de départ. Et elles vont partir par petits groupes, par catégorie, pour faire le tour de la Charente. Voilà, super. Petite 300 SL. Alors, c'est là. Et on a une très très jolie auto. Ce sont des autos qui sont de plus en plus recherchées aujourd'hui. That's a French car, Facel Vega. Donc voilà, c'est le départ. Ils sont partis pour plusieurs centaines de kilomètres autour de la Charente, depuis Angoulême. Et voilà, toutes ces voitures ont des points de roadbook à respecter, avec des arrêts au château de la Mercerie, à Villebois-Lavalette. Et on va les retrouver un petit peu plus loin, un petit peu plus tard. C'est une des autos les plus mythiques qui sont. Il se trouve que c'est une 964 qui a été rejetée exactement comme les 3493 qui courait au 24 du Mans avec un néon, mais c'est un garde-fou à deux étages. Chevrolet Master de luxe, voiture de course, vous avez vu, c'est marqué sur le toit, donc bon, respect et bravo, une voiture exceptionnelle. Hey, ça c'est pas du tout faux. Hein. Voilà mesdames et messieurs, comment les Anglais considèrent la voiture ancienne. D'accord. Max Sommers. Ah oui, qu'ils sont beaux quand même. Ça te plairait pas ça? Oui. Très très belle 488 GTB. Oui, il les connaît par cœur, c'est pour ça que je suis obligé de que ce soit lui qui la présente. Merci à vous. Merci. Le Spider, c'est juste exceptionnel. Bon, ça c'est pour la maison de course, on le voit. Ça, derrière, c'est du bois. C'est des couches de vernis. Et c'est une auto absolument merveilleuse qui vient de l'Orient pour venir jouer avec vous. Ce Spitzer date de 1930. C'est sans doute une des voitures les plus anciennes du plateau. Et d'ailleurs, chers amis, on aimerait bien en voir plus des voitures. Alors, c'est vraiment une auto absolument merveilleuse. Et je vous demande de l'applaudir très très fort. Anne Bavray. Voilà, merci à vous. Et son fils qui présente cette superbe Jaguar. Alors c'est le nouveau modèle évidemment. C'est depuis 30 ans qu'existe le Model 6. Ça, ce sont des Yorktimers qui sont devenus extrêmement précieux. Ce qui est Bristol. Ça encore. Hi, Trevor. Une auto qui vient directement de Grande-Bretagne. C'est unique de voir des autos comme ça de ce côté-ci d'avant.
Quel bonheur. Quel bonheur. Ah oui, quand même. C'est mini, non? On est dans le tout début des années 50. 1925. Je vais pas vous la présenter. Vous avez Lily à l'intérieur. C'est pas rien. La fameuse DS21, en plus, c'est une injection électronique, elle est au top. Ça rigole pas. Juste derrière, regardez la petite LG, ça aussi sympa. Avec le poids, ça leur donne quelque chose de particulier. Et donc, on est très heureux de retrouver cette voiture. Alors ça, il faut savoir, cette petite LG, qui a été extrêmement bien préparée. Et Nicolas, il a décidé de faire